manqué de faire tomber mon écran d'ordinateur. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Oh, tous les youtubeurs le disent. Aujourd'hui, vidéo télé-shopping. 3, 4. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Téléshopping. Aujourd'hui, je vais vous présenter une caméra qui va pouvoir se fixer sur votre casque et vous briser la nuque. Non, en fait c'est de la merde. Greg Masson va à présent vous montrer une caméra qui, elle, vous servira à filmer du vélo. Pourquoi Téléshopping ? Parce qu'il y a quelques jours, j'ai reçu un mail d'une boîte anglaise qui m'a proposé une caméra de sport. J'allais dire GoPro, mais c'est pas une GoPro. Et ils m'ont proposé d'en avoir une, gratuitement. Ils m'ont filé les sous par PayPal, je l'ai achetée et je viens de la recevoir ce matin. Et ce que je vais faire, déjà en premier lieu, c'est la déballer devant vous. Voilà le petit colis. Je l'ai pas ouvert encore. Hop, je l'ouvre devant vous. Si vite, c'est pas du tout ça. J'espère que c'est pas de la lingerie parce que j'ai commandé des strings aussi. Et bien sûr, toujours un tournevis sur mon bureau. Logique, c'est ce qu'on appelle du rangement. Hop là. Et c'est ouvert. Alors, voilà. Donc j'ai commandé une feuille de papier que je viens de recevoir. Comme ça, je pourrais faire un petit dessin après. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est ça. Alors, pour ceux qui parlent pas anglais, Eagle, ça veut dire l'aigle. Donc je pense qu'avec ça, je vais voler encore plus haut que d'habitude. Je la pose là, tournevis, je le range. Voilà, il est rangé. Alors je pense que c'est des accessoires pour la caméra. Ou alors ils m'ont envoyé un truc en Lego. Donc pour vous donner un peu les prices, cette caméra est vraiment très très bien emballée. Putain, c'est quoi ce scotch qui part pas là? Je vais y arriver. Ah, oh, oh, il en reste plus qu'un et elle est ouverte. Ouais. Oh, oh, j'ai tout pété. Oh là, bah ouais, dis donc, il y a pas mal d'accessoires, ouais. Je m'attendais pas à ça. Comment ça s'ouvre, ça? Ok. Bon. Heureusement qu'elle n'est pas tombée. Ok. Petite caméra. Il y a écrit 4K. Je ne sais pas ce qu'elle vaut encore parce que je ne l'ai pas allumée. Alors, je vais la déballer. Elle est vraiment légère. Bah, dis donc, c'est pas trop mal, hein. Vous la voyez, elle est toute petite et il y a un petit écran derrière. Et ça, c'est cool parce que la caméra que j'avais avant pour vous montrer, c'est une Vivatar. Et celle-là, elle était vachement bien, mais, parce qu'il y a toujours un mais, il y avait la date et l'heure qui s'affichaient en haut et ça pouvait pas s'enlever. Et niveau batterie, elle tenait, je dirais 20 minutes en filmant à fond. Et franchement, elle est bien pour faire des petites vidéos. Mais c'est vrai que cette caméra, là, la caméra, la Sony qui filme maintenant, est quand même vachement mieux. Oula, celui-ci n'a jamais vu quelque chose d'aussi technologique de sa vie. Il y a... Hey, il y a deux batteries! Hop là! Ça, c'est bien, ça. Deux petites batteries. Ce qui veut dire que je vais pouvoir filmer plus longtemps. Et ça, c'est chouette. Alors, est-ce qu'elle s'allume? Elle est chargée. C'est déjà bien. Il n'y a pas de carte. Je vais en mettre une. Elle s'est éteinte. Je suis vraiment nul. 1080p, une heure de film. C'est Inception. Vous me voyez là. Et vous me voyez dans le petit retour derrière que vous pouvez voir. Donc ça, c'est cool parce que je vais pouvoir cadrer à peu près la vidéo et pouvoir voir ce que je filme parce que sur l'autre caméra d'avant, il fallait que je branche mon téléphone en Wi-Fi et ça faisait que bugger. Donc voilà la caméra. Comme ça, vous voyez un peu la mienne de caméra avec ma bidouille pour m'éclairer. Oui, c'est une jambe de vélo avec des ampoules. Eh ouais, quand t'as pas de thunes, tu te démerdes comme tu peux. On va aller la tester sur le vélo, parce que ben là, sur un bureau, vous pouvez pas vous rendre compte ce que ça rend comme image. Et ben j'espère que ça rendra bien. Et on voit ça tout de suite. Allez, à toutes.
raise me or not. C'était un whip drapeau, et comme ça en même temps je vous fais écouter le son du micro de la caméra. Dis quelque chose Antoine, est-ce qu'on t'entend bien? Je sais pas moi. T'aurais dû dire merguez ou un truc, un mot au hasard. C'est ketchup. Ouais, ketchup, pas mal. Mais pourquoi t'as pris des chaussures? Après cette vidéo que j'ai filmée entièrement avec la GoPro sur ma voiture, sur mon vélo, sur mon casque, sur les skateparks, vendredi dernier, j'ai sorti une vidéo aussi où je ride, où je fais plein de foot jam. Si tu veux aller la voir, elle est dans les fiches. C'est filmé avec cette caméra-là et avec cette caméra-là. Donc maintenant, on va passer au moment où j'essaye de vous vendre cette caméra. Pourquoi j'essaye de vous la vendre? Parce qu'en fait, les 10 euros de réduction que vous allez avoir dessus, ils arriveront dans la popoche de Grégory. Et qui dit dans la popoche de Grégory, dit pas aller la dépenser dans n'importe quoi. Moi, t'imagines bien, avec la passion du vélo que j'ai, les 10 euros, eh ben ils vont servir pour m'acheter les pièces pour mon vélo. Et j'en ai besoin. Et c'est pour ça, entre autres, que j'accepte ce placement de produit, parce que vous savez très bien que c'est pas mon genre. Bref, cette caméra, à l'origine, elle valait 129,99€ sur le site. Elle est en réduction déjà à 79,99€ et grâce à mon code promo qui sera dans la description et que j'affiche ici par magie, vous allez pouvoir avoir 10€ de réduction dessus, ce qui va la faire tomber à 69,99€. Et je trouve que 69,99€ pour une action cam qui franchement donne des putains d'images, bah c'est pas mal. Après il y a juste un ou deux trucs qui vont pas dessus. Le micro qui n'est pas de très bonne qualité, mais ça, bon, c'est, toutes les caméras sont pareilles. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai ce micro-là. Et là, je vous pète les oreilles en tapant dessus. Après, toutes les accroches, la coque, les accroches GoPro, les espèces de petites vis, les petites rallonges, je les ai tous testées. J'en ai pété aucune, et pourtant, je suis un bourrin. Il y en a que j'ai serré à la clé anglaise pour pas que ça bouge. Tout marche bien. Il y a juste peut-être l'attache guidon qui est un petit peu fragile. Mais bon, ça fait le taf. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site, sur Amazon, ça sera dans la description aussi, pour aller acheter la caméra. Et n'hésitez pas à la commander avec mon code promo. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous voulez aussi, je me suis fait un Tipeee et un Utip. Utip, c'est pour regarder des pubs et m'apporter un peu d'argent. Tipeee, c'est pour faire des dons. Je te le dis, je serais mal à l'aise si tu me donnes 30€. Tu donnes 1€,
Si t'aimes mes vidéos, c'est cool. Si vous êtes beaucoup à donner, je pourrais encore plus m'acheter un vélo cool. Et ça, c'est chouette, vous deviendriez mon sponsor. Et ça, ça serait taré. C'est fini, je vous laisse avec des images que j'ai filmées sur le casque où je tourne autour du bol pour que vous vous rendiez compte en temps réel de ce que ça donne, parce qu'avec le montage, c'est différent. Et à la prochaine, les mecs. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bon ride.